reconnaître les fils de Dieu. Voilà. Donc le titre du message d'aujourd'hui, c'est reconnaître les fils de Dieu. Je veux dire clairement, comment on peut reconnaître les enfants de Dieu? Il y a un passage qui dit souvent que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Voilà, donc le monde attend de voir vraiment qui est Dieu, qui est enfant de Dieu. Nous tous, on connaît ça, non? Voilà, souvent quand on dit le monde attend la révélation des fils de Dieu, on pense que c'est ceux qui vont être dans les grosses voitures. N'est-ce pas? Avec les grosses maisons et tout ça, ceux qui ont réussi financièrement. Mais ce n'est pas ça. Donc aujourd'hui, on cherche à comprendre comment reconnaître les fils de Dieu. Romains 8, 14. Nous lisons rapidement Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. On cherche à reconnaître les fils de Dieu. Il y a tellement d'hommes sur la terre, tellement d'enfants sur la terre, mais nous, nous voulons pouvoir reconnaître les fils de Dieu. Ça va nous permettre nous-mêmes de nous connaître et puis aussi de pouvoir reconnaître aussi les autres. Donc, reconnaître les fils de Dieu. Lisons encore Matthieu 7, 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Alléluia. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Il dit, vous allez les reconnaître grâce à leurs fruits. Donc, si le Seigneur Jésus nous dit ça, cela veut dire qu'il est très important de pouvoir les reconnaître. Et Seigneur Jésus voudrait qu'on puisse les reconnaître. Il ne voudrait pas qu'on soit tous mélangés comme ça, sans qu'on sache qui est qui. Donc il nous donne maintenant les clés pour reconnaître les enfants de Dieu. Il tient à ça, qu'on puisse les reconnaître, qu'on ne soit pas tous mélangés, soit dans une église, soit dans le monde, enfin un peu partout, et puis qu'on s'appelle fils de Dieu. Mais le Seigneur voudrait qu'on puisse nous reconnaître. Donc il dit, voilà comment on va reconnaître les fils de Dieu. Et puis nous explique un peu ce que c'est. Il dit, on ne peut pas cueillir des quoi? Des raisins? Mais le passage. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Ou alors des figues sur des chardons? Ce n'est pas possible. Il dit, on les reconnaît à leurs fruits. C'est-à-dire, quand tu vois la mangue, tu connais que l'arbre, c'est le manguier. Voilà. Donc, on reconnaît le manguier grâce à la mangue qui est sortie du manguier. Donc, on les reconnaît à leurs fruits. Donc, c'est ce qui sort d'eux là, qui va nous permettre de les identifier en tant qu'arbre. Si c'est un manguier, si c'est un enfant de Jésus, si c'est un enfant du diable, si c'est quoi que ce soit, mais dans tous les cas, ce qui sort de lui là, c'est ça qui va nous permettre de l'identifier. Et le Seigneur Jésus voudrait qu'on puisse les identifier. Parce que c'est facile à dire, mais c'est ce que tu fais sortir de toi. La dernière fois, on a vu que c'est ton comportement, ton caractère qui va nous permettre de nous dire si tu es réellement enfant de Dieu. On les reconnaîtra à leurs fruits. Ça veut dire quoi? On les reconnaîtra à ce qui va sortir d'eux. Parce que quand il est arrêté comme ça, tu ne sais pas si c'est enfant de Dieu ou pas. Mais quand il agit, tu vois un peu ce qui sort de lui, alors tu peux dire ça c'est un enfant de Dieu ou ce n'est pas un enfant de Dieu. Et on a besoin de pouvoir les identifier, c'est très important. Puisque dans nos relations, tu veux te marier, il faut être sûr que tu as trouvé un enfant de Dieu. Tu veux faire des affaires, il faut être sûr que tu as trouvé un enfant de Dieu. Tu veux faire quoi encore? Tout ce que tu dois faire, si toi-même tu es enfant de Dieu, tu dois pouvoir repérer un enfant de Dieu et puis maintenant t'associer et puis faire avec lui. Donc si tu ne sais pas les reconnaître, tu vas te tromper. Tu vas avoir la beauté. Tu vas avoir l'arbre qui est là, bien habillé, bien sapé, comme je dis tous les jours. Et puis à l'intérieur, il ne t'a pas démontré qu'est-ce qui sort. Et tu vas croire que c'est un enfant de Dieu, alors que ce ne l'est pas. Tu vas voir peut-être son église. Ce n'est pas l'église. On ne les reconnaît pas parce qu'ils sont dans des églises. Il est à MPV, il est à Jésus-Christ. Ce n'est pas ça qui compte. Mais on le reconnaît grâce à ce qui sort d'eux. Donc c'est très important de savoir comment on reconnaît un enfant de Dieu. On reconnaît un fils de Dieu au fruit qui sort de lui. On a lu Romains 8, 14. Remets-moi ce verset, s'il te plaît. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà déjà un point. C'est-à-dire, quand quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit, alors celui-là, on l'appelle fils de Dieu.
Donc celui qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, celui même qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, celui qui ne sait même pas qu'on peut recevoir un Saint-Esprit en soi, c'est qu'il ne l'a pas. Donc celui qui ne l'a pas reçu et celui qui ne se laisse pas conduire par l'Esprit de Dieu, il n'est pas enfant de Dieu. Vous voyez, on dit comment on les reconnaît? Il faudrait que cette personne-là soit quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu. On dit celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, alors il est fils de Dieu. Donc, tu dois te demander, est-ce que moi-même c'est le Saint-Esprit qui me conduit ou bien c'est moi-même qui me conduit? Il faut que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu pour être fils de Dieu. Donc, il faut comprendre ces choses. Il faut te demander. Il s'agit d'être enfant de Dieu. Et ce sont les enfants de Dieu qui vont aller au paradis, au ciel avec le Seigneur. Mais si tu n'es pas fils de Dieu, tu n'iras pas chez lui. Et le Seigneur veut qu'on les identifie. Donc toi-même, il faut apprendre à identifier. Puis tu vas voir, est-ce que moi là-même, je suis fils de Dieu? Est-ce que moi, je suis conduite? Est-ce que je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu pour être fils de Dieu? Très important. Ok. Continuons le 15 et le 16. Romains 8, 14, 15 et 16. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui permet à ce que nous puissions crier « Père ». Celui qui donne cette possibilité-là d'appeler Dieu notre Père. Donc, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et cet Esprit-là témoigne à notre esprit que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Donc, les enfants de Dieu, ce sont les enfants qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux. J'insiste. Lisons Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà. Donc, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit là, il n'est pas enfant de Dieu. Voilà la situation. Et si tu es enfant de Dieu, est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi? Donc, il doit habiter en toi et puis tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. C'est très important. Quand vous entendez ces choses-là, méditez là-dessus. Recherchez, essayez de comprendre. Parce que c'est ça qui fait la vie. Si vous ne comprenez pas ces choses, je ne sais pas ce que vous faites. Tout ce que vous faites là, c'est nul. Si vous n'arrivez pas à comprendre ces choses, comment être enfant de Dieu et s'assurer que nous sommes enfants de Dieu? Donc, si l'Esprit de Dieu habite en toi, alors tu es enfant de Dieu. Notre sujet, c'était quoi? Comment reconnaître les fils de Dieu? Il a dit quoi? On les reconnaît à leurs fruits. Donc, on reconnaît l'arbre à son fruit. Donc, on va reconnaître l'enfant de Dieu au fruit qui sort de l'enfant de Dieu. Et maintenant, quel est ce fruit-là qui doit sortir pour que nous puissions voir que, ah, ça là, c'est un enfant de Dieu? Comment on va le reconnaître concrètement, pratiquement? Comment on va le reconnaître? Lisons Galates 5, 22. Nous allons lire pour comprendre qu'est-ce qui doit sortir pour que nous puissions dire, ça là, c'est un enfant de Dieu. Pour ne pas que nous puissions nous tromper. Voir parce qu'il a une grosse voiture, il est à l'église, il chante, il prêche. On dit, voilà, enfant de Dieu. Non, ce n'est pas voiture, ce n'est pas prêcher. Il y a des clés, il y a des signes, il y a des éléments qu'on nous a donnés pour identifier un fils de Dieu. On dit on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc quels sont les fruits? Quel est le fruit qui doit sortir pour que nous puissions dire voilà un enfant de Dieu qui passe? Sans se tromper, être sûr, parce que c'est vérifié par la parole, au travers de la parole. Vas-y, Galates 5, 22. Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Quand on a compté, on avait combien d'éléments? Reprends s'il te plaît. Le fruit, la dernière fois on avait compté 9, d'accord, on reprend, oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça fait combien? 9. C'est bon, ok. Donc, on dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et là, on nous donne les fruits, le fruit de l'Esprit de Dieu. Mais voilà comment il se manifeste dans 9 différents fruits.
comme on peut dire. N'est-ce pas? Quand le Saint-Esprit est quelque part là, voilà ce qu'on doit voir. C'est pour ça qu'on dit les fruits de l'Esprit. Ce n'est pas mis dans la Bible comme ça pour nous dire que le Saint-Esprit, il produit. Non, le fruit de l'Esprit, c'est ça. C'est pour vous dire que quand tu veux savoir qui est un enfant de Dieu, puisqu'on va reconnaître l'arbre au fruit qui va sortir. Donc la Bible nous dit maintenant, voilà le fruit qui va sortir, qui va vous permettre d'identifier un enfant de Dieu. Voilà ça. Donc dans ça là, mais ce n'est pas parce qu'il est adultère. Il n'est plus adultère. On n'a pas écrit ça dedans. Il n'est plus quoi encore? Il n'est plus menteur. Il n'est plus voleur. Je veux dire que ce n'est pas ça, mais en bac, on va trouver ça bien sûr. Parce que Dieu ne va pas accepter que son enfant soit dans ces choses. Hein. Mais ce qui nous permet tout de suite de dire que c'est un enfant de Dieu, c'est ça. C'est ça. En premier lieu, qui nous permet de dire que celui-là est enfant de Dieu. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui ne pêche plus, qui se dit, il se dit d'ailleurs parce qu'il ne peut plus ne plus pêcher, c'est même pas la peine. C'est vrai qu'il a arrêté certaines choses, mais il y a des choses qu'il ne pourra pas, c'est Dieu qui va délivrer. Vous voyez? Donc quand on voit quelqu'un qui vraiment fait des efforts pour bien se comporter, tout de suite on se dit que c'est un enfant de Dieu parce qu'il a arrêté certains péchés. Pourtant, ce n'est pas ça qui doit nous permettre de déterminer. Parce que je vous ai dit la dernière fois ici que même ceux qui n'ont pas accepté Jésus, les pécheurs, les païens, ils ont des bons comportements aussi. Beaucoup de païens ont de bons comportements. Donc le fait d'avoir un bon comportement ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas le bon comportement qui fait l'enfant de Dieu. Mais c'est avoir le Saint-Esprit en soi qui produit le fruit. Quand le Saint-Esprit est en toi là, ça sort quelque chose. Ça produit quelque chose. Et ce quelque chose, c'est encore le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, là, voilà tout qu'on a énuméré ici. Donc, si tu te dis enfant de Dieu, ça là, ça doit être sorti. On doit voir. On doit voir ça sorti de toi. Sinon, tout le reste qu'on dit là, ça ne peut pas t'identifier. Tout le reste sur lequel on compte là, ça ne peut pas identifier. On dit voilà ce qui va nous identifier parce qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et le fruit de l'esprit, c'est ça. Saint-Esprit en soi. Il dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas son enfant. Or, celui qui a le Saint-Esprit, voilà comment on va voir s'il a vraiment le Saint-Esprit. C'est ça qu'on doit voir en lui. On va prendre les éléments là, quelques éléments un à un. On ne pourra pas certainement tout prendre. Il y en a 9. Mais on va essayer de voir un peu. Le premier fruit, c'est quoi? L'amour. Donc, quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu es enfant de Dieu, la première chose qui te caractérise, c'est l'amour. Quelqu'un qui n'a pas d'amour, celui-là, il n'est pas enfant de Dieu. Il n'a qu'à beau venir à l'église pendant 20 ans, n'est-ce pas? Il n'a qu'à être présent, faire toutes les prières, chanter, prêcher, tout ce qu'il peut faire. S'il n'y a pas l'amour, il n'est pas enfant de Dieu. Parce que l'amour est le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, Dieu est amour, n'est-ce pas? On nous dit ça tout le temps. Si Dieu est amour, son enfant est amour, c'est ce que Dieu veut dire. Ce que Dieu est là, c'est ce que son enfant est. Quand tu vois Dieu et puis son enfant là, il n'y a pas de différence. Alléluia. Donc, c'est l'amour. Premier fruit, c'est l'amour. Lisons Romains 5, 5. Oh, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Donc quand le Saint-Esprit vient en toi là, le Saint-Esprit te donne l'amour de Dieu. En fait, ce n'est pas des choses que nous pouvons produire de nous-mêmes. Hein. C'est pour ça qu'on dit le fruit de l'Esprit. Donc, si tu n'as pas l'amour de Dieu, c'est-à-dire ce que tu dois demander, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit en toi qui va répandre l'amour de Dieu dans ton cœur. De sorte à ce que, du coup, tu deviennes quelqu'un qui est amour. De quelqu'un qui n'était pas amour, tu te transformes en quelqu'un qui est amour. Par le Saint-Esprit de Dieu qui est venu en toi. Donc c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Ce n'est pas de nous-mêmes. On ne peut pas se forcer. Si tu vois que tu n'as pas d'amour, tu n'arrives pas à aimer ton prochain, il faut demander le Saint-Esprit. Parce que si lui vient en toi, tu vas devenir amour sans que tu ne le veuilles. Donc il dit l'amour. Lisons 1 Jean 4, 7 à 8 et puis 12. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Verset 8.
Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Vous voyez? On dit celui qui n'a pas d'amour là, hein? Il ne connaît pas Dieu. Celui qui n'aime pas, il ne connaît pas Dieu. Dieu n'est pas en lui. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit quoi? L'amour. Celui qui est de Dieu est amour, ça dit quoi? On dit que Dieu est amour, n'est-ce pas? Et le Seigneur a dit quoi? Premier commandement, on doit aimer Dieu plus que tout. Donc celui qui a le Saint-Esprit en lui, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Premier commandement, aimer le Seigneur de tout, 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 tout. Et deuxième, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Donc quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui, il aime Dieu et il aime son prochain. Donc quelqu'un qui aime Dieu, comment on peut le dire? Parce qu'il y a une manière d'aimer Dieu sur les lèvres, on le prononce. Ce n'est pas dans la prononciation, ce n'est pas dans la déclaration de j'aime Dieu. Mais ta déclaration doit être accompagnée de faits, de comportements, d'actes. Vous comprenez, non? Donc, aimer Dieu, c'est quoi? Aimer Dieu, premièrement, c'est faire la volonté de Dieu. Aimer Dieu, c'est pratiquer la volonté de Dieu. Aimer Dieu, c'est apprendre à connaître Dieu pour pratiquer Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'apprends pas à connaître Dieu. C'est faux. Tu ne viens à l'église que parce que tu veux que Dieu fasse des choses pour toi. Mais tu ne viens pas pour chercher à connaître ce Dieu-là et puis pratiquer sa volonté. Parce que aimer Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Il dit, si vous m'aimez, mes paroles doivent demeurer en vous. Si mes paroles demeurent en vous, alors là, c'est certain que vous m'aimez et je sais. Mais si vous venez à l'église, que vous ne cherchez pas à connaître Dieu, que vous ne cherchez pas à vous approcher de Dieu, comment vous allez pratiquer Dieu? Vous ne l'aimez pas. Quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui a la soif de Dieu, de connaître Dieu. C'est quelqu'un qui recherche Dieu partout. Dieu, on apprend à le connaître. On n'est pas né avec Dieu. On est arrivé dedans. Donc on doit apprendre. Quelqu'un qui ne cherche pas à apprendre, à connaître Dieu, c'est quelqu'un qui n'aime pas Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend dans quelqu'un, l'amour de Dieu le pousse à la recherche. L'amour de Dieu te pousse à la recherche de Dieu. Moi, je connais des gens qui achètent, qui investissent des millions dans les livres pour rechercher Dieu. Je connais des gens qui ont étudié plusieurs versions de Bible. Moi, je ne sais pas combien de versions de Bible j'ai à la maison. Mais j'ai tout un placard, les enfants sont là. J'ai beaucoup de catégories de Bible. Parce que quand je lis ici, je dis, ah, celui-là, est-ce qu'il a bien traduit? Il faut que j'aille vérifier dans un autre. Donc, je cherche Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui cherche Dieu. Mais si vous ne cherchez pas Dieu, l'amour de Dieu n'est pas dans votre cœur. Il ne vous dit rien. Vous venez, vous vous asseyez, on vous prêche deux ou trois paroles, ça vous suffit pour vous multiplier et pour être prospère. Ça vous suffit pour abandonner vos problèmes pour que Dieu vous sécurise. Ce n'est pas ça, aimer Dieu. Ça, c'est s'aimer soi-même. C'est l'égoïsme, l'égocentrisme, c'est ça. Mais quelqu'un qui a l'amour de Dieu, c'est quelqu'un qui recherche Dieu. C'est quelqu'un qui s'intéresse à Dieu. C'est quelqu'un qui veut Dieu plus que tout au monde. C'est l'amour de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui va produire ça en vous. Imaginez-vous que moi, quand je n'étais pas encore chrétienne, j'ai horreur de la lecture. J'ai toujours dit, prends le livre et puis lis comme ça, là, ça me fatigue trop. J'aime bien écouter. Et je ne suis pas là, je suis que, on dit même les Ivoiriens, en général les Noirs, ils aiment ce qu'on raconte. Mais ce qu'on lit, on dit, si tu veux cacher quelque chose à un Noir, mets dans un livre. Parce qu'il ne va jamais chercher à aller lire. Voilà. Nous, on n'aime pas lire, on n'aime pas ça, on aime qu'on nous raconte. Donc moi, comme ça, je n'aime pas lire, j'ai horreur de ça. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, qu'il m'a rempli de son esprit, je suis devenu comme un fou. Les livres là, moi j'ai la bibliothèque, j'ai presque tout lu. Tu vas chez moi, la bibliothèque entière, j'ai presque tout lu. Je peux prendre un livre, tant que je ne finis pas le livre, je ne mange pas. Quelqu'un qui n'aimait pas lire, et du coup brusquement commence à lire tous les livres de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui produit ça. Donc si tu n'es pas encore poussé par l'Esprit de Dieu, à rechercher de Dieu, à acheter les livres de Dieu, à comprendre, à chercher à comprendre ce que c'est que Dieu, fais attention. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Parce que le premier signe qui prouve que tu es un enfant de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est le premier signe. Donc l'amour de Dieu, l'amour des choses de Dieu, l'amour qui te pousse à connaître Dieu, l'amour qui te pousse à t'occuper de la maison de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous a envoyés ici. Quand on a aimé Dieu, on a dit, bon, il faut bâtir quelque chose pour les enfants de Dieu, ou il faut les recevoir pour qu'ils viennent prier.
on n'a pas attendu que quelqu'un vienne d'abord au départ. Hein. Maintenant, on est tous dedans, on doit participer. Mais au départ, on n'a pas attendu quelqu'un. Il faut faire quelque chose. C'est-à-dire, l'amour de Dieu me presse, l'amour de Dieu me pousse à faire quelque chose. Recevoir quelque part les enfants de Dieu pour commencer à parler, leur parler de Dieu, pour commencer à révéler Dieu, pour commencer à enseigner. C'est-à-dire, c'est comme ça. C'est comme s'il y a quelque chose qui est tombé sur toi. Je vous dis, l'amour de Dieu, ça te pousse à faire des choses que tu ne faisais pas avant. À faire des choses que tu ne veux même pas faire. L'amour de Dieu te pousse à investir dans Dieu. Investir dans les choses de Dieu. Si tu ne peux pas donner facilement ta dîme et tes offrandes, tu as un problème. Tu as un problème d'amour de Dieu. Parce que tu penses que quand tu vas venir donner, alors les gens vont étudier. Non, tu viens donner pour l'avancement du royaume. Tu viens donner pour que l'œuvre de Dieu s'accroisse. Pour que les enfants de Dieu soient sauvés. Donc tu ne viens pas pour investir dans la poche de quelqu'un. Tu viens pour que l'œuvre avance. Donc en payant ta dîme et tes offrandes, c'est une joie même. Là où on a besoin qu'on paye pour que la chose avance, tu es le premier parce que c'est pour Dieu. Tout ce qui va s'agir de Dieu, on doit te voir là en premier, on ne doit pas te pousser. Si on te pousse, l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur. On voit la différence. Quand on fait les programmes de PC, les gens sont nombreux. Les programmes où Dieu doit bénir les gens, ils sont nombreux. Mais le problème où Dieu a besoin des gens pour faire avancer, ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas beaucoup. Donc, identifie-toi. Essaie de comprendre qui toi tu es. Tu aimes les programmes de PC qui te font avancer, c'est bien, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu va aimer les programmes pour évangéliser. Il va se mettre à la disposition de l'œuvre de Dieu. C'est ça un enfant de Dieu, l'amour de Dieu. Il est pressé par l'amour de Dieu. Il aime Dieu. Tout ce qu'il dit, c'est Dieu. Tant que Dieu n'est pas satisfait, lui, sa satisfaction n'a pas d'importance. Je dis, l'amour de Dieu, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. On pourra développer l'amour de Dieu sur plusieurs jours. Comment démontrer à Dieu que tu l'aimes? Comment manifester cet amour de Dieu? Afin qu'on voit en toi quelqu'un qui aime Dieu. Si tu demandes à quelqu'un, faites des tests. Demandez aux gens, est-ce que quand tu me vois, j'aime Dieu? Demandez. Demandez à vos amis. Même vous êtes là comme ça. Qui est-ce que vous pouvez dire qu'il aime Dieu? Ce que tu fais là, on voit où? Les gens sauront si tu aimes Dieu ou si tu n'aimes pas Dieu. Si c'est toi-même, tu es venu chercher ta bénédiction à l'église, on sait. C'est ta percée, tu es venu chercher, on connaît. On connaît, on voit. Tu veux chercher ton travail, n'est-ce pas? Ton enfant, ton quoi encore? Ton bien-être social, n'est-ce pas? On connaît. Mais quand aussi tu es venu pour l'amour de Dieu aussi, on sait, on voit. Il faut chercher à ce qu'on témoigne que toi là tu aimes Dieu, sinon tu n'es pas encore arrivé. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est tonneau vide. Je vous dis la vérité, hein? C'est tonneau vide. Parce qu'arrivé à la porte, Jésus va dire que lui là, il n'a pas mon fruit. Mais je ne me reconnais pas en lui. Il ne peut pas dire qu'il est mon enfant. Tu peux dire de ta bouche, mais le fruit là n'est pas sorti. Le fruit n'est pas sorti. Donc, ça n'a pas produit. C'est que Jésus a produit d'autres fruits, mais ce n'est pas pour Jésus là. Ce n'est pas le fruit de l'esprit. Donc celui en qui le Saint-Esprit n'est pas, il n'est pas de Dieu. En tout cas, on doit prier pour ça. Pour que Dieu répande son amour dans nos cœurs. Très important. Moi je vous ai dit ici qu'avant moi je n'aimais pas Dieu. Hein. Je ne calculais pas Dieu, je n'avais même pas son temps. Je n'avais même pas son temps même. Je ne l'aimais pas. Donc je partais à l'église, c'est vrai. Bon, on sait qu'on a été baptisé, confirmé. On sait que bon, il paraît qu'un jour, on va aller au ciel, tout ça là. Bon, il faut se baptiser. Et puis on a fait vite le baptême. Juste parce que bon, il ne faut pas on va se retrouver un jour en enfer. Donc ça au moins, on essaie de caler ça quelque part. Baptisé, confirmé, c'est fini. Notre paradis est assuré. Oh, c'est pas ça qui va t'envoyer au ciel. Hein. C'est pas baptisé, confirmé. C'est l'amour de Dieu. Ah, c'est l'amour de Dieu. Donc, on s'est baptisé, confirmé. Rapidement, on a scellé, on a gardé. Et puis maintenant, allez, on est dans la ville. On se débrouille. J'ai choisi le milieu qu'il faut. Parce que je voulais un bon mari. J'ai identifié la place. Pater m'asseoir là-bas, fait comme si je prie le Seigneur. Ce qu'on raconte là-même, ça ne me dit rien. Je suis en train de rêver. Pendant qu'on parle là, moi je pense qu'est-ce qu'on va manger, où on va sortir. Mais il y en a même qui viennent dans la salle ici. Ils sont assis là, leur corps est là. Hein. Mais leur esprit, sa chaise, leur esprit voyage. Amen. Le corps est là, mais l'esprit n'est pas là. Il est occupé ailleurs. Bon, il fallait venir, il est venu. Mais quand il est assis dedans là,
S'il n'est pas en train de faire maintenant WhatsApp ou Facebook, bien quelque chose en cachette ou bien tout ça là. Même s'il est là comme ça là, l'esprit, ça s'en va, ça voyage. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que l'amour de Dieu, on ne naît pas avec ça. On n'est pas né ça. C'est la grâce de Dieu. Quand on a rencontré le Seigneur, le cœur qu'on a donné a fait que le Saint-Esprit est venu en nous. Et quand le Saint-Esprit est venu maintenant, il a produit l'amour de Dieu. Je vous ai dit ici qu'une fois, moi, j'ai prié pour l'amour de Dieu. Je me rappelle, je partais, je voyageais sur la route d'Abangourou. J'ai dit, mais Seigneur, je parle. On dirait que je ne t'aime pas. C'est pas toi que j'aime. Seigneur, je te demande pardon. Répands ton amour dans mon cœur. Je t'en supplie. J'ai prié. Il dit que si vous demandez, si vous priez, que demandez les choses spirituelles, il va vous donner. J'ai prié, il m'a donné l'amour de Dieu. S'il ne m'avait pas donné l'amour de Dieu, on ne va pas se retrouver. Si vous n'allez même pas me voir, pas votre temps. Alléluia. Aïe, est-ce que vous avez le temps des gens et puis moi, avoir votre temps? Ah. Bah, imaginez, on est tous occupés. Mais voilà, je suis enchaîné. Si je ne viens pas là, c'est comme si quelque chose ne va pas dans ma vie. Je suis obligé de venir. Je ne le fais pas par obligation, je le fais par amour. Oui, il y a deux choses différentes. C'est-à-dire que ce n'est pas par obligation. Je ne suis pas serré de faire. Je le fais parce que j'aime Dieu et je dois le faire. Si je ne le fais pas, qu'est-ce que je ferai d'autre de ma vie? C'est comme ça que je raisonne. J'aime Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans mon cœur. Alléluia. Donc, on prie pour avoir l'amour de Dieu. Il dit d'avoir l'amour de Dieu et puis d'aimer son prochain. Il faut aimer Dieu et puis aimer ton prochain. Donc, quelqu'un qui est de Dieu, qui est fils de Dieu, c'est quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui aime ses frères et sœurs, qui aime son prochain. Mais ici à l'église là, est-ce qu'on aime notre prochain? On s'aime pas. Bon, quand on vient même, on dit salut là même, c'est un peu bizarre. Salut ton frère, salut ta soeur. Même saluer, saluer est problème. Attends, si c'était ton frère qui était assis à côté de toi, salut même, tu as fait bisous. N'est-ce pas? Aluka, tu aimes ton frère? Non, ton vrai frère, même père, même mère. N'est-ce pas? Voilà, je parle de ton frère, même père, même mère, vous avez grandi ensemble, vous venez de la même maison. Ah non, non, lui, ça c'est toi-même. Ah, si tu lui dis qu'il a touché, il t'a touché. Lui là, est-ce qu'on a besoin même de dire saluez-vous, embrassez-vous? Oh, avant même de saluer, oh mon bébé, ça tombe sur soi là. Ah, sur chacun tombe sur l'autre. Parce qu'on s'aime vraiment. On s'aime. Mais on n'aime pas les autres. On n'aime pas. Même saluer est difficile. Donc quand on se voit à la porte, on se dépasse. On n'est même pas capable de se dire bonjour, mon frère, comment tu vas? Comment ça a été? C'est-à-dire, on ne s'intéresse pas à l'autre, on ne s'occupe pas de lui. Chacun est venu se chercher ici. Chacun est venu se chercher. Or, pourtant, ce que vous êtes venu chercher là, on dit de vous aimer les uns les autres. C'est à cela qu'on va vous reconnaître comme enfant de Dieu et que vous allez recevoir ce que vous avez besoin là. C'est comme ça qu'on reçoit. Parce que si Dieu ne vous identifie pas comme ses enfants, il n'a rien, il ne vous doit rien, il ne va rien vous donner. Mais on est là, on ne s'aime pas. On n'aime pas les frères. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. La charité là, c'est l'amour, hein. Voilà, dans d'autres versions, c'est l'amour. Donc, il dit quand tu parleras même en langue, il y en a qui vient quoi, rababa, il prie jusqu'à la langue des hommes là. Tu peux prier tout. Après avoir fait tout ça là, si tu n'as pas d'amour, on dit quoi? C'est zéro. C'est nul. Ta prière de matin, 24 heures sur 24, et que tu as roulé, tombé. Ah non, quand on dit prier, si quelqu'un prie, quand il s'attrape comme ça là, ah rababa, rabakataka, soukitaka, ah, ça prie d'être. On dit quand tu as fait tout ça là, prier toutes les langues qui peuvent exister là, s'il n'y a pas l'amour de Dieu en toi ou bien l'amour de ton frère en toi, c'est zéro. Donc les prières là, c'est pour ça que ça n'aboutit pas. Ça a pris jusqu'à fatiguer, mais Dieu n'écoute même pas, on ne te reconnaît pas. Parce que l'amour qui caractérise l'enfant de Dieu n'est pas en toi. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ça veut dire quoi? Tu fais du bruit pour rien. Arrête de fatiguer nos oreilles. Amen. C'est ce que ça veut dire. Continue. Le 2. Allons au 2 et puis au 3. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2.
Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Voilà encore. Toi, tu prophétises les grosses prophéties, n'est-ce pas? Quand j'aurai les grandes prophéties, tu prophétises. Et puis tu connais, tu récites la Bible comme rien. Hein? Tu récites qu'on peint ici, si, deux vêtements, de verset en, ça sort. N'est-ce pas? Quand j'aurai même toute la foi qui déplace même les montagnes, fait tous les grands miracles. Tu as fini tout ça là. S'il n'y a pas l'amour, tu n'es rien. Imaginez-vous l'importance de la chose. Donc tu peux faire des grands miracles, fais tout ce que tu veux. Mais s'il n'y a pas l'amour dans ton cœur, tu n'es rien. Ça veut dire quoi? On ne te reconnaît pas dans le royaume. Le Seigneur ne te connaît pas. C'est ça, il va dire quoi? J'ai fait des miracles. Il dit, et puis après? Et puis après, diable fait miracle, tu ne sais pas ça? Non Seigneur, moi j'ai fait des miracles, j'étais un grand prophète, j'étais ceci. Il dit, tout ça là, si tu as fait, que tu n'as pas l'amour en toi, tu n'es rien. Réfléchissez à la question. J'ai donné à l'église. Moi j'ai dormi à l'église. J'étais tout le temps à l'heure à l'église. J'étais tout le temps présent au programme. J'ai aidé, fais tout. Mais quand un frère te parle, la manière dont tu le... Tu réponds, tu le rejettes, tu le fuses. La manière même tu le considères même. Quand il se réveille, il ne peut même pas rentrer dans l'église. Pourtant tu te dis, non mais c'est moi le grand. Je suis là tout le temps, je fais ceci, je fais cela. Je suis un vrai enfant de Dieu. Non, tout ce que tu fais là, s'il n'y a pas d'amour en toi, tu n'es rien. Dans la maison de Dieu, tu n'es rien. Parce que le fruit qui t'identifie en tant qu'enfant de Dieu n'est pas là. Donc tu n'es rien. Faites attention. Recherchons l'amour de Dieu, premièrement. L'amour d'abord. L'amour de Dieu, l'amour de son prochain, d'abord. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Amen. Il y a des gens qui font du soi-disant bien, hein, ils partagent des nourritures. Mais vous savez que les musulmans partagent des nourritures, hein, les autres partagent des nourritures dans les mosquées. Oui, ils distribuent, ils font des dons, bien sûr. Donc le fait de faire des dons, donner des choses là. Et puis souvent même que les dons que tu fais là, souvent c'est pas par amour. C'est les habits déchirés, gâtés, tu envoies. Oui, ce que tu n'as plus besoin là, déchirer les gâtés, tu veux libérer ta maison. Les vieilles choses, deux fois tu les donnes, bon, hein, libérer ça là, Dieu va nous donner un nouveau. C'est de la méchante, enfin, bon, c'est pas grave, on va prendre. On va dire c'est méchant, mais on, comment on va faire? Ils en ont besoin, ils vont porter. Mais sache que ce n'est rien devant le Seigneur. Parce que tu n'es pas prêt à prendre ce qui te coûte cher pour sacrifier. Pour donner un frère, tu n'es pas prêt. Mais ce qui est gâté, déchiré, dépassé, on ne prend plus là. Tu as libéré ta maison, tu dégages ça, donne aux pauvres. Il dit, même si tu donnes quoi que ce soit, si tu n'as pas l'amour en toi, ce n'est rien. Dieu ne compte même pas ça. C'est zéro encore. L'amour de Dieu et l'amour de son prochain, très important pour être identifié comme enfant de Dieu. Tout ce que tu fais là, c'est par rapport à quoi? Il faut toi-même t'aider, il faut vérifier vérifier tes actes. Ce que je fais là, c'est pourquoi? C'est par amour ou bien c'est parce que c'est par égoïsme, je veux satisfaire un besoin personnel ou bien je veux plaire à Dieu. Il y a une différence. Quand on veut plaire à Dieu, on fait ça bien. Donc quand tu veux faire quelque chose, un don à un président, tu ne choisis pas n'importe quoi, tu prends quelque chose de valeur pour se faire remarquer, pour qu'il t'identifie. Mais aujourd'hui quand on veut donner au Seigneur, tout ce qui nous reste, quand on est fatigué là, on a tourné quand il y a quelques pièces qui nous restent. Venez donner à Dieu, venez donner. Allez, on prend. Sans respect. Sans respect, sans considération. Les billets déchirés, on voit aussi. Il y en a même qui attachent choses, Kleenex. Comme il n'y a pas l'argent, il prend Lotus, lui aussi, il marche, marche. Il met les dents, puis il s'en va. Il y en a qui envoient aussi faux billets. Maintenant, les pièces, on dit les pièces lisses, c'est rempli. On ne sait pas ce qu'on va faire avec ça. Les pièces lisses, là, on ne peut pas utiliser. Donc, il regarde dans sa poche où les personnes disent ça, on n'utilise pas là. C'est ça, il vient, il met dedans. Enveloppe vide, il vient, il met dedans. Ça, c'est l'amour de Dieu, non? C'est comme ça que tu démontres ton amour à Dieu. Fais attention, tu es en train de tracer un chemin vers la porte de l'enfer. Oui, mais parce que Dieu ne va pas te reconnaître. On ne dit pas de donner de la quantité. On dit de donner la qualité, de respecter Dieu. On dit de respecter Dieu.
d'honorer Dieu dans tout ce que tu fais. Il faut lui montrer que tu l'aimes. Mais pas que tu viens l'utiliser. C'est différent. Voilà. Tu viens l'utiliser ou bien tu l'aimes. C'est différent. Veillons sur nos attitudes. Romains 13, 10, disons. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la foi. Vous avez vu? L'amour là, si vous avez l'amour de Dieu en vous, on dit ça ne fait pas de mal à son prochain. Donc l'amour en fait est l'accomplissement de la loi. Toute la loi qu'on avait dictée, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, tout ça là. Si tu as l'amour, c'est fini. L'amour est la clé. Si tu as l'amour de Dieu, l'amour de ton prochain, c'est comme si tu as accompli toute la loi. C'est suffisant. Donc si tu as l'amour, tu ne peux pas faire du mal à ton prochain. Ici là, le prochain, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, quand on l'attrape là, on le salit. Il a fait ça, il a fait comme ça, on le critique. C'est-à-dire, on le critique, on salit son image, on le détruit. On est des champions dans ça, hein, détruire les images de nos frères. Ça là, on connaît bien ça, n'est-ce pas? Vous voyez, non? Champion dans détruire l'autre, notre propre frère. Hein? Pourtant, la Bible ici, il est tombé, il faut l'aider à se relever. Il faut l'aider à se relever. Ça peut arriver. Et puis, c'est même pas parce que toi, tu n'es pas encore dans cette position que tu vas condamner. Tu ne sais pas demain ce qui va t'arriver. Tu ne sais pas demain ce qui va t'arriver. Donc, quand un frère a fait quelque chose, il faut l'aider à se relever. Mais je parle du frère. Je parle des enfants de Dieu. C'est une différence. Voilà. Je parle des enfants de Dieu. Je ne parle pas des païens. Donc, quand tu as un frère qui est un vrai frère, un enfant de Dieu, s'il a un souci, il a un problème, il faut l'aider. Même si ce n'est pas un enfant de Dieu, les prochains là, mon cher, laisse son affaire passer, ne rentre pas dedans. Il ne faut pas les attirer des ennuis inutiles. L'amour ne fait pas de mal. Si tu ne peux pas faire le bien, au moins ne fais pas le mal. N'est-ce pas? Tu ne peux pas l'aider à réussir, non? Il ne faut pas le tuer. Il faut laisser un jour Dieu va envoyer quelqu'un pour l'aider. Hein? Mais toi, ne t'associe pas pour que lui, il ne puisse pas avancer. Tu t'associes dans des groupes pour le tuer. Pour raconter des histoires. Mais des fois, même tellement tu veux raconter, tu mens dedans. Pour rendre ça sensationnel. L'amour ne fait pas de mal à son prochain. Quand tu dois agir envers quelqu'un, demande-toi, est-ce que je suis en train de faire du bien ou du mal? Si c'est du mal, laisse tomber. Si tu n'es pas encore prêt pour lui faire du bien, pour l'aider à réussir, laisse tomber le mal. L'amour ne fait pas de mal à son prochain. Donc, ce qui caractérise l'enfant de Dieu, voilà, c'est l'amour envers les frères. Et l'amour de Dieu, c'est ça qu'on va dire que celui-là, c'est le Fils de Dieu. Examinez, examinons-nous. On dit amour, ensuite il y a la paix. On va essayer, on va arriver quelques... Le reste là, chacun va chercher avec son dictionnaire. Il y a 9 éléments qui vont nous permettre de nous identifier comme enfants de Dieu. Moi je vous donne quelques éléments. Celui qui aime Dieu, il n'a qu'à aller chercher pour comprendre. N'est-ce pas? Personne ne m'a appris. Oh. C'est par amour pour Dieu que moi je suis parti chercher. Puis je vous attends de vous dire là. Vous voyez, non? C'est l'amour de Dieu qui a fait que moi aujourd'hui je peux vous parler. Je suis allé chercher. N'est-ce pas? J'ai cherché, je vais vous donner 3 éléments dedans. Le reste là, vous-même cherchez aussi. Aimez Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais bien chercher jusqu'au bout. Mais arriver là-bas, si on dit on ne vous connaît pas, c'est pas bon. N'est-ce pas? Il faut que chacun apprenne aussi à chercher, à prouver son amour pour Dieu, en recherchant Dieu, en cherchant à comprendre. Au moins, ça, ça ne coûte pas de l'argent. La Bible, tu as déjà ça dans ta main. Simplement mettre un peu de temps de côté et puis chercher à comprendre les choses de Dieu. Tu ne peux pas faire ça. Mon cher, je t'ai donné 3. Le reste, ça va chercher. Alléluia. Amen. Donc, amour, joie, paix et autres. Donc, allons pour la joie. On dit l'amour, la joie. La joie, Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Voilà. Donc le royaume de Dieu ne consiste pas à manger et boire. Hein? De manger beaucoup, boire beaucoup, c'est pas ça. Mais ça consiste à la justice, la paix, la joie que produit le Saint-Esprit dans quelqu'un. C'est ça. Être en Dieu. Être avec Dieu, être fils de Dieu. Ça consiste à
être dans la justice, avoir la paix et la joie que produit le Saint-Esprit. Je vous dis, c'est le Saint-Esprit qui doit produire ça. Vous ne pouvez pas produire. Oui. Donc si vous ne l'avez pas, c'est normal. Si tu n'aimes pas ton frère là, c'est normal. On ne s'est jamais aimé ici avant. Ça, c'est ce qui est normal, n'est-ce pas? Maintenant, il faut être en Christ, n'est-ce pas? Pour être, manifester le contraire. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va produire ça. Si aujourd'hui, tu as écouté ce message, que tu vois qu'il y a des choses qui sont difficiles, si tu pries que le Saint-Esprit te donne, tu vas voir que tu seras transformé. Oui, tu seras étonné de te voir. Et moi-même, quand les gens viennent, je ne partage jamais. Quand je les vois, je dis, il n'y en a pas. Voilà moi aujourd'hui. C'est moi qui les appelle pour dire, venez. Comme si tu es un fou. Les gens disent, mais ah, toi tu es fou, mais quoi? Oui, le Saint-Esprit rend fou. Il en rend fou aux yeux du monde. Mais tu deviens sage aux yeux de Dieu. Donc, vous devez rechercher l'amour et la paix et la joie que le Saint-Esprit va produire en vous. Cette joie-là. Je ne peux même pas vous expliquer ce que c'est. Il n'y a que ceux qui ont ça, qui savent de quoi je parle. Il y a une joie que le Saint-Esprit produit dans l'homme. Oui, il y a une joie. Donc ceux qui sont dedans là, eux, ils savent de quoi il s'agit. Je ne peux pas vous l'expliquer. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre ma joie. Vous n'allez pas comprendre ma joie. Donc cette joie-là, vous devez la rechercher. La joie de Dieu. Lisons la paix. Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Donc, on dit quoi? Caractéristique d'un enfant de Dieu, il procure la paix. Ça veut dire quoi? Il permet à ce qu'il y ait la paix autour de lui, qu'il y ait la paix partout, qu'il y ait la paix entre les frères. Donc, quand il y a une affaire, il ne va pas aggraver, mentir sur le pour que les deux se battent et puis il est content. Il procure la paix. N'est-ce pas? Il est un agent de réconciliation. Quand ça ne va pas entre deux frères, il ne choisit pas un camp pour laisser, puis les deux, il les laisse regarder. Non, mais il fait tout pour que les deux s'entendent. Il milite pour qu'il y ait la paix. Il prie pour qu'il y ait la paix autour de lui. Que le monde soit dans la paix. Il veut la paix. Quelqu'un qui aime la paix, c'est quelqu'un qui n'aime pas les histoires, qui n'aime pas les palabres. Donc, il n'est pas un instrument qui crée des palabres. Il ne cherche pas à se battre avec un tel frère ou un tel frère qu'il a fait. Il va voir ce que je vais lui réserver. Il va voir. Il ne garde pas la dent pour attendre, il va voir. Mais il fait en sorte qu'il y ait la paix qui règne entre les frères. Il pardonne. Pour pouvoir faire la paix, il faut être capable de pardonner. Or, capable de pardonner, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça dans le cœur des gens. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas pardonner. Ce n'est pas possible. Donc tu ne peux pas procurer la paix. Tu ne peux pas faire la paix. Tu seras toujours en guerre avec les gens. Tu vas garder rancune de 5 ans, de 10 ans, de 1 an. Tu vas garder, tu vas attacher colis pour garder. Vous voyez? Donc un enfant de Dieu, c'est celui qui fait la paix. Donc quand il y a un palabre entre toi et un frère, tu vas l'appeler. La Bible dit quoi? S'il y a quelque chose entre toi et le frère, va vers lui. N'est-ce pas? Ça veut dire lui-même, c'est lui qui est en erreur. Mais la Bible dit non, même si c'est lui qui est en erreur, ne cherche pas à savoir qui est en erreur. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu procures la paix, donc déplace-toi, va vers lui pour qu'il y ait la paix. Fais tout pour que le problème se règle. C'est ça l'enfant de Dieu. Lui-même, il serait étonné, mais c'est moi qui suis en faute. C'est moi qui l'ai insulté, puis c'est lui qui vient me demander pardon. Je n'ai jamais vu ça. Oui, ça existe, les enfants de Dieu, ils sont comme ça. Ils sont différents des hommes de la terre. On ne les comprend pas. Seul Dieu agit en eux. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être en paix avec tout le monde. Il dit, si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. On peut mettre le passage? Romains chapitre 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Est-ce que vous comprenez ce passage-là? Moi, le jour où j'ai lu ça, j'ai dit, hey, Seigneur, je ne dois pas avoir un seul ennemi. Oh. Un seul ennemi, je ne dois pas avoir. Il dit, si ça dépend de moi, si c'est possible, autant que cela dépend de moi, je dois être en paix avec tout le monde. Donc si j'ai la possibilité de pouvoir être en paix avec quelqu'un, je dois le faire.
Maintenant, si peut-être la personne n'est pas là, je ne sais pas comment toucher la personne a voyagé. Aujourd'hui, même si elle a voyagé, tu as Orange, tu as WhatsApp. Donc, tu n'as même pas de raison d'être encore en parlable avec quelqu'un. Tu n'as pas de raison. Tu peux le toucher par n'importe quel moyen. Si ce n'est pas l'orgueil qui va te freiner, pour dire que c'est comme si quand tu as donné la paix, bon, il va dire que c'est lui qui a gagné, tu vois. Voilà, il va faire comme si c'est lui qui a gagné, puis c'est lui qui est le fort, quoi. Et puis finalement, toi, tu deviens le faible. Si ce n'est pas ça qui va te bloquer, là. Si tu veux faire la paix, de nos jours, là, il y a tous les moyens, tu peux le toucher. Tu peux le rechercher même. Il y a eu parlable, il est parti, tu peux le rechercher. Il va dire, mais c'est quoi? Mais il sait que vous êtes en parlable, puis toi, tu le cherches. Mais toi, tu veux quoi? Non, je voudrais qu'on fasse la paix. Ah bon? C'est étonnant. Mais de quoi? Qu'est-ce qui t'a piqué? Parce que tu étonnes. Il faut étonner le monde. On dit si cela dépend de vous. Un chrétien ne doit pas être en parlable avec une seule personne. Un seul être humain sur la terre. Vous voyez, donc, ça dit, nous sommes dans un moule. Hein? On ne peut pas faire du n'importe quoi. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons ressembler à notre Père. Et en tant qu'enfant de Dieu, toi, tu vas avoir quelqu'un avec qui tu ne parles pas. Hein? Tu es qui, au juste? Tu es qui? Bon, ta bouche peut dire tu es enfant de Dieu. Arrive à la porte, le fruit là, on va voir c'est qui. Moi je suis là simplement pour vous éveiller les consciences, pour vous aider. Je vous aime tellement et je veux voir chez votre Père que je suis obligé de vous dire la vérité. Pour que maintenant là nous puissions arranger ce qui est arrangé, avant que ce ne soit trop tard. C'est tout mon rôle qui est là. C'est pour ça que je dis des vérités. Je pense que ce sont des vérités. Parce que je pense parler de la part du Seigneur. Pour vous aider à vous redresser. Pendant que le Seigneur me redresse, moi aussi je vous aide à vous redresser, c'est tout. Personne n'est parfait. Nous tous on est passés par là. C'est le Seigneur qui fait pour chacun. Il dit, un chrétien ne doit plus jamais être en palabre avec quelqu'un. Retenez ça de toute votre vie. Si même on cherche à vous faire du mal, on cherche, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui provoque même. Là où tu es dans ton coin, tu veux rester tranquille, le diable va envoyer quelqu'un te provoquer. Mais juste, c'est parce qu'on veut juste voir qui tu es. Donc le diable envoie juste des tests. On fait, c'est-à-dire on fait ce que ton cœur ne peut pas supporter là. La chose tourne comme ça en toi. Ah, ça fait mal. Mais quand tu réfléchis, je suis un enfant de Dieu. Je n'ai pas le droit. Je ne peux pas répondre le mal par le mal. Je réponds le bien par le mal. C'est comme ça nous sommes. Face du mal, en face du mal, nous apportons le bien pour éteindre le mal. Tu dois être un agent pour éteindre le mal partout où tu es. Parce que tu es un enfant de Dieu. Désormais, vous voyez des frères en palabre, réconciliez-les. Vous voyez des frères qui se battent, calmez-les. Vous êtes en palabre avec quelqu'un, appelez, réglez le problème. Soyez des agents de paix. Soyez des agents de paix. C'est notre rôle. Nous devons faire en sorte qu'il y ait la paix sur la terre. Donc ce n'est pas nous qui allons envenimer les situations. Rentrer dans tel groupe, rentrer dans tel groupe, faire en sorte que les gens se battent à gauche, à droite. Ce n'est pas notre rôle, hein. Connaissez votre place. Si vous êtes chrétien, si vous êtes enfant de Dieu, sachez votre place. N'allez pas mettre le feu déjà où il y a le feu. Le feu, quand ça va venir, quand ça va brûler là, ça va pas te sauter. Amen. Non, ça va pas te sauter, hein. Nous sommes censés apporter la paix pour que nous puissions vivre aussi en paix. Si nous voulons vivre en paix, nous devons être des militants de la paix. Alléluia. L'amour, la joie, la paix, il y a quoi encore? Le fruit de l'esprit, celui que le Saint-Esprit en lui là. Mais le plus grand, c'est l'amour. Hein? L'amour regroupe tout ça. Il y a quoi encore? La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Quand j'ai regardé toutes ces choses, je dis, quelquefois nous, les chrétiens zélés, évangéliques, qui nous proclamons d'être des chrétiens de Dieu, d'être dans la poche de Dieu, d'être des enfants de Dieu, malheureusement nous n'avons pas ces choses. Quand nous regardons de l'autre côté, ceux qu'on accuse, beaucoup sont amour. À tel point qu'il y en a qui évangélisent par l'amour. Et puis ils disent, non, ici là je vais être avec eux parce que eux là ils ont l'amour. Chez nous, on ne retrouve pas l'amour. Et nous voulons dire que nous sommes de Dieu. Faisons attention. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Dieu. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Dieu.
recherchons l'amour. On va être surpris à la porte. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Dieu. Voyez bien dans les congrégations, où est-ce qu'il y a l'amour? Où est-ce qu'il y a l'amour des frères? Où est-ce qu'il y a l'amour? Faisons attention. Au lieu de rester là à jeter la paille, voyons-nous nous-mêmes ce qui nous manque. Recherchons et faisons la paix avec tout le monde. Faisons la paix avec tout le monde. Comme je l'ai dit, je suis venu t'apporter quelques éléments. Le reste là, si tu aimes Dieu, va étudier. Va étudier puis va prier pour que Dieu te permette de manifester ces choses. Un chrétien n'est pas méchant. Un chrétien est bon. Il est bon, il est doux. Il est serviable. Il est serviable. Il aime les frères. Il se met à la disposition des frères. Il aime Dieu. C'est ça qui est un chrétien. Tu peux avoir n'importe quel autre péché. Je pense que tu es encore charnel. Dieu va travailler là-dessus. Mais au moins si tu as ça, s'il vient, il te prend. Si tu as ça là, quand il viendra, automatiquement il va te prendre avec lui. Parce que tu es de lui. C'est un aimant. Ça s'attire. Forcément, si tu as l'amour de Dieu, l'amour de ton prochain, tu seras attiré vers le Seigneur. Le reste de tes faiblesses, je pense que Dieu va travailler là-dessus. Dieu va travailler sur tes faiblesses. Tu dois faire confiance à Dieu pour dire non, c'est une faiblesse. Seigneur, ça ne doit pas être là, mais je te fais confiance. Pendant que tu es avec moi, pendant que je te suis, pendant que je te pratique, un jour, ce côté va partir. Alléluia. Pour terminer, comme j'ai dit, on ne pourra pas. Je vous laisse le soin d'aller faire le reste. En conclusion, je vais lire un seul passage. 2 Corinthiens 13, 11. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Amen. Voilà, il dit quoi? Au reste, non. Soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Ça dit quoi? Croître spirituellement. Grandissez. N'est-ce pas? Ne restez pas toujours en bas avec les mêmes problèmes. Changez, évoluez. Progressez dans le Seigneur. Donc, il faut se perfectionner. Ta vie doit être parfaite de jour en jour. On n'atteint pas la perfection en un jour. Mais au moins, il dit progresser dans la perfection. C'est important. L'année dernière, j'avais tous ces petits soucis, tout ça. Mais cette année, voilà, j'ai progressé. Je ne suis plus la même personne. J'ai avancé, j'ai évolué. C'est vrai, je n'ai pas encore fini. Mais je compte sur le Seigneur. Et un jour, on pourra me dire que j'ai fini. C'est ça. C'est ça le chrétien. C'est ça la vie de Dieu. Alléluia. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Vivez en paix. Vraiment, je prie que au moins dans cette maison et dans toutes les autres maisons de Dieu, qu'on puisse maintenant vivre en paix. Mais nous devons être des acteurs de la paix pour pouvoir vivre en paix. Ce n'est pas par là, ça ne se décrète pas. C'est une pratique. On œuvre pour ça. N'est-ce pas? On doit vivre en paix. Donc, on doit être des acteurs de la paix pour que tous les problèmes se règlent. Là où tu vois que ton frère et ta soeur sont en palabre, essaie d'intervenir pour pouvoir les mettre ensemble. Mais entre nous ici, laissons tomber tout. Dieu est le plus important. Amen. Vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Alléluia. En tout cas, moi, je vous aime. Votre Père vous aime plus que tout. Vivez dans l'amour, cherchez l'amour, priez pour l'amour. Il vous le donnera certainement. Que Dieu vous bénisse. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au plus 225 40 15 89 32 04 42 15 55. www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.